Bonjour, c'est Pierre Huguet. On va commencer ce troisième exercice en répondant à la question que je vous posais à la fin de la dernière vidéo et qui consiste à corriger le fait que la voiture ne doit pas bagoter quand elle touche la souris. Et de la même manière, ce que je voudrais, c'est qu'elle ne redémarre pas toute seule une fois qu'elle revient au départ. Pour répondre à la première question, ce qu'il faut faire, c'est empêcher la voiture d'avancer quand elle touche le curseur. Donc, on va mettre la commande avancée qui est ici à l'intérieur du bloc que je vous avais préparé et qui correspond à vérifier que la voiture ne touche pas la souris. Pour corriger le deuxième défaut et empêcher la voiture de repartir quand elle revient au départ, il faut que j'interrompe le script correspondant, donc je fasse stop ce script et que je positionne cet arrêt immédiatement après le retour au départ. On vérifie, j'appuie sur le drapeau vert et j'appuie sur la barre d'espace. Quand la voiture atteint la souris, elle ne bagote plus et quand elle revient au départ, elle ne repart plus toute seule. Passons maintenant aux améliorations de cette troisième leçon. On va d'abord rajouter un son quand la voiture touche le vert. On va compter les vies. On en retire une à chaque fois qu'elle a un accident. Et quand il n'y a plus de vie, on a perdu. Le troisième point, c'est qu'on va chronométrer le temps qu'elle met pour faire un tour. Alors, commençons par le son. On va sélectionner un son dans la librairie. On va prendre par exemple Crash Beatbox. Voilà. Donc, je reviens au script et dans l'onglet des sons, je prends Jouer le son que je vais mettre immédiatement après que la couleur soit touchée. Je vais maintenant tester cette nouvelle version. Voilà, ça marche. Passons maintenant au nombre de vies. Je vais créer une variable nombre de vies. Que je vais initialiser à 3 au départ. Donc au début, je mets 3 vies. Ensuite, je vais réduire d'un le nombre de vies à chaque fois que je touche le vert. Donc je vais ajouter moins 1 au nombre de vies et je vais tester si le nombre de vies est égal à 0. Si oui, je vais dire vous avez perdu et je vais arrêter le jeu. Donc si le nombre de vies est égal à 0, alors je vais dire vous avez perdu. Et je vais faire ensuite stop tout. Voilà. Maintenant, je peux tester le jeu. Je vais déplacer le nombre de vies pour qu'il ne m'embarrasse pas. Donc, vous voyez qu'au début, quand j'appuie sur le drapeau vert, le nombre de vies est de 3. À chaque fois que je tape, il baisse d'un. Et quand j'atteins 0, il me dit que j'ai perdu. La dernière chose que je veux faire dans cet exercice, c'est de chronométrer le temps entre le départ et quand on a gagné. Eh bien, on va créer une variable qu'on va appeler temps. Que l'on va initialiser à 999, comme ça on est sûr de faire un temps meilleur que ça. Ensuite, le chronomètre, on va le faire démarrer quand la voiture démarre, c'est-à-dire quand on appuie sur la barre d'espace. Et quand on a gagné, eh bien, on va afficher le temps qu'on a mis. On va utiliser un opérateur qui fait la concaténation de chaînes de caractères. Dans la première partie, on va mettre j'ai gagné en. Et dans la deuxième partie, on va mettre le temps. Mais avant de faire ça, il faut quand même mettre dans la variable temps la valeur du chronomètre. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre ici, juste avant, mettre temps à la valeur du chronomètre ici. Alors maintenant, on peut tester le bon fonctionnement de cette version de l'application. Alors, on y va. J'appuie sur le drapeau vert, j'appuie sur la barre d'espace et là je vais taper, il ne me reste plus que 2 vies, je rappuie sur la barre d'espace, je retape, il ne me reste plus qu'une vie, cette fois-ci il faut que j'arrive au bout. Voilà, hop, et j'ai mis 8 secondes 199. Je recommence, mais cette fois-ci je vais augmenter la vitesse et je démarre. Et cette fois, j'ai mis 4 secondes 766, c'est bien mieux. Alors maintenant, rendez-vous à la prochaine leçon où on va améliorer le pilotage.